Bon, allez, on va faire une petite pause avec les vidéos foot de rue extrême. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers de foot de rue simple, précisément la saison numéro 5. Théorie et hypothèse. Vous êtes prêts? On est parti. Parfait. Mais avant de commencer, félicitations à mon pote d'avoir répondu à la question de la dernière vidéo. Maintenant, nouvelle question pour toi, spécialement pour toi. Quel est le nom du héros de la saison numéro 4 de foot de rue? Dis-le-moi en commentaire et nous tout de suite, on passe d'abord au générique. Et aujourd'hui, le générique va être très très spécial. D'ailleurs, tu dois liker cette vidéo si tu kiffes le générique, tu t'abonnes si tu kiffes la vidéo et tu actives la cloche de notification si tu kiffes la chaîne YouTube. Pour le générique, j'aimerais mettre cette fan made créée par Mistel Foot de rue, saison numéro 4. Personnellement, je connais pas spécialement sa chaîne, mais en tout cas, le générique qu'il a composé, j'aime beaucoup. Bravo à lui. Voilà, donc on va tout de suite songeailler sur ce générique. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube, c'est parfait. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et nous, tout de suite, on passe au générique. Depuis la sortie de la saison numéro 4, hashtag spoil, on ne voit pas tag. Ce qui a créé un certain engouement au niveau des fans qui a clairement, disons-le, attendaient un retour en force de leur héros tag. Sous n'importe quelle forme, certaine, la fameuse théorie où tag reviendrait dans une saison numéro 5 est fausse. Et la suite de la saison numéro 5 est aussi fausse. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour mieux comprendre, repartons d'abord quelques années en arrière. Foot de rue extrême, qui à la base était considéré comme la suite de foot de rue, a fait défaut. Clairement, a déçu beaucoup de monde. Beaucoup de téléspectateurs ont été déçus. Les fans de foot de rue n'ont pas du tout aimé cet opus. Les réalisateurs, voyant ce fiasco sur les réseaux sociaux, ont décidé simplement de rattraper l'erreur de foot de rue extrême en créant la suite logique à celle-ci qui est foot de rue saison numéro 4. C'est pour cela que nous retrouvons des personnages emblématiques de l'œuvre originale comme Requin, Jérémy et aussi le héros de l'œuvre Petit Dragon. Ainsi, aujourd'hui, on peut justifier la création de foot de rue extrême comme un univers alternatif à celui de foot de rue, créant ainsi la suite des aventures du héros Tag. Et de l'autre côté de cet univers, des nouveaux épisodes de la saison numéro 4 montrant ce qu'il reste du tournoi, de ce qu'il restait avant. Les hypothèses sur la saison numéro 5, plusieurs youtubeurs, notamment moi aujourd'hui, en ont parlé de cette hypothèse, cette potentielle suite, cela partant d'une vidéo de fan de fiction à une vidéo d'un grand youtubeur. Dans tout ça, je me retrouve à me poser une question précise. Foot de rue, la saison numéro 4, est-il possible? Oui ou non? Alors, potentiellement, oui, voilà, je le dis clairement, oui, la saison numéro 5 de foot de rue extrême peut sortir très possiblement, je m'explique. On sait d'ores et déjà que la saison numéro 4 de foot de rue a repris grâce à une coproduction entre Zodiac Kids et Monelo. Alors oui, c'est généralement rare de voir deux grandes enseignes comme ça en train de collaborer, mais aujourd'hui, nous avons pu le voir avec foot de rue. Alors, cette collaboration, est-ce que ça va continuer ou alors ça peut s'arrêter? Alors oui, ça peut continuer, voilà. D'ailleurs, moi, je pense, à mon avis, simple, ça va continuer parce que il faut savoir que si une collaboration continue, ça veut dire que les chiffres évoluent, voilà, le nombre de vues, le nombre d'argent qu'ils ont misé sur la création de cette œuvre leur apporte avec des bénéfices. Donc oui, foot de rue, la saison numéro 4 n'a pas déçu, du moins, enfin, a déçu beaucoup des fans, mais a récolté quand même assez de vues sur différentes plateformes dont elle a été publiée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucune annonce officielle n'a été dite sur la saison numéro 5 de foot de rue. Alors,
On retrouve beaucoup de vidéos comme celle-ci qui en parlent. Évidemment, tu trouveras encore des vidéos, des articles parlant de ça. Personnellement, comme aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Alors, j'ai pas entendu une annonce officielle à ce sujet. Si vous vous intéressez encore plus à la date de sortie de Foot de rue simple, je vous mets un lien, enfin un lien qui parle de ce sujet. Mais je vous rappelle que ça en parle juste, mais ça ne vous donne absolument pas la date de sortie de la saison numéro 5 de Foot de rue. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que cette vidéo vous a fait plaisir et que mon argumentation était claire et limpide. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.